Si Versailles célèbre Apollon, Peter Hoff se veut une évocation de Neptune. La grande cascade qui descend sur sept vastes marches est ornée de 37 sculptures en bronze, 64 fontaines et 142 jets d'eau qui éjectent près de 34 000 litres d'eau chaque seconde. Située au centre du bassin, une colonne d'eau de 20 mètres de haut qui jaillit de la fontaine de Samson. Cette dernière présente le moment où Samson ouvre la gueule d'un lion, l'emblème de la Suède, symbolisant la victoire de la Russie sur ce pays le jour de la fête de Saint-Samson. Le palais, achevé et inauguré en 1756, est impressionnant avec sa façade ocre et blanche. L'escalier d'honneur est resplendissant de dorures, avec des peintures en trompe-l'œil, des sculptures baroques et des statues représentant les quatre saisons. Le palais comporte environ 30 pièces, dont plusieurs sont des salles d'apparat, toutes richement décorées, avec des stucs à profusion, des plafonds polychromes, des parquets marquetés et des murs tapissés d'or fin. La salle du trône, avec son parquet en marqueterie, est décorée selon le style baroque russe, à la feuille d'or. Au-dessus du trône, Catherine II est représentée dans la tenue du régiment le plus ancien de la garde impériale russe. Conçu par Pierre le Grand, le jardin supérieur ne fut cependant réalisé qu'après sa mort, au cours des années 1730. La combinaison de couleurs du palais, jaune et blanc, avec le vert de la végétation du jardin et de ses statues d'or, forme un paysage unique. Comme d'autres édifices, le palais fut occupé pendant 3 ans par les troupes allemandes et après avoir été pillé, il fut en partie sauvagement détruit.